Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mood Kids, un numéro spécial Cannes. Comme vous pouvez le constater, une nouvelle fois, les Salmômes sont en cavale et ils sont en cavale sur la Croisette au Festival International des Jeux. Plein de défis, plein d'amusements, plein de rires, plein de confidences. On va rencontrer beaucoup de personnes et on va surtout s'amuser. Mood Kids, c'est maintenant. Retour sur Cannes. Moi, mon moment préféré, c'est quand même quand je t'ai éclaté au jeu Focult. Au jeu Focult, bien sûr. Si on peut remettre le replay. On l'a vu quand même que j'ai laissé le... Mais on n'a pas tous vécu la même scène, non? Je pense qu'on va vous revoir les images et on va bien voir que je suis pas du tout dans le mood. Justement, moi, mon moment préféré, c'est quand je t'ai battu au Focult. C'est le moment de regarder les images. Les parents irresponsables de ce sale gosse méritent davantage d'aller en prison que ces deux abrutis. Maman, j'ai raté l'avion. Merci. Wow, tu te calmes, Corentin, d'accord? En plus. Oh, j'ai hésité longtemps. Non, mais tu rends ma carte, toi. J'aime bien ce film. Oui, moi aussi, j'aime bien. Spielberg a du sang de requin sur les mains. Dans la mer. Oh là là! Je suis fatigué. Oh là là! Attends, je me redresse parce que j'étais trop en mode détente là. Ah merde! En plus, Les Dents de la Mer, quoi, c'est un de mes films préférés. Ah bah! Possible. Moi aussi, ça fait peur un peu. J'ai fait Les Dents de la Mer. Mila a à peu près autant de charisme que les zombies. Ah, j'aime pas les films de zombies. Les bronzés? Zombie. Zombieland! Mila. Oui, c'est avec Mila Kunis? Ah, Mila Jovovich, le cinquième élément. Avec les zombies. C'était Resident Evil. Mais j'aime pas trop les zombies. Ah, je suis nul. Promoteur égale respect égale nichon. Fast and Furious. Oui. Oh. Bim. Ah là, je suis revenu là. Ça y est. C'est la remontada. On pourra la mettre en off, s'il vous plaît, on l'adore. Non, c'était plutôt le mot respect qui m'a mis. Blague à part, je crois que mon moment préféré à Cannes, c'est quand j'arrive et qu'il n'y a personne. Que je découvre les stands le matin vide. Ah. Est-ce que t'as l'impression que c'était un peu à toi à ce moment-là, quoi? Exactement. Non, en plus, blague à part. Bon, avant la tempête, là, tous les stands sont en attente de... C'est beau. C'est vraiment le calme, avant, le la calme avant la tempête. J'annonce du coup que je vais bientôt sortir mon livre de poèmes. Moi j'ai bien aimé ma battle de burritos avec Sarah. Mais par contre, les gros burritos, là, c'était... Ah bah c'était ma session préférée, c'était avec les gros burritos. Le gros... Et c'était quoi votre jeu préféré, du coup, dans le... Moi, j'aimais bien le Focult, et même le jeu, le principe du jeu du Focult. Ouais, je crois qu'il était canon, prendre les pires critiques de films et les réunir dans un jeu, je trouvais ça assez marrant. Enfin là, t'expliques la règle du jeu, mais on t'a pas demandé d'expliquer. Lis ton scrap, mince. T'es payé par la marque, toi, pour parler du jeu ou quoi? Il a sa com, en fait. Michael Jordan est un sportif. Space Jam. Mais un acteur lamentable. Fallait pas me chauffer. Fallait pas me chauffer. C'est une remontada. Je crois qu'on est pas très fort. Ouais, tu veux pas aller... Bah justement, il y a pas un petit bar à côté. Ne vous faites surtout pas avoir par le titre, ça ne parle quasiment pas de la ville de Da Vinci. Da Vinci Code. Oui. J'ai pas entendu. Moi, genre, t'as pas entendu. C'est une bonne jabarre. Avoir un peu de silence.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Bah, je trouve que vous parlez beaucoup plus dans sa direction. Allez. Alors là, il n'y a pas le choix. Voilà. Il est très mauvais joueur. Le plus mauvais des six. C'est consternant de voir les meilleures légions de l'Empire vaincues par les bisounours, les meilleurs chers, les pygmées qui leur jettent des cailloux. Le Seigneur des Anneaux ? Non. Le mauvais des six. Pygmées ? C'est consternant de voir les meilleures légions de l'Empire. Ah, Ça fait trop genre sur la machine. Ah, mais si, je sais, mais je mais oublie. Oui, non. Mais je l'ai, mais pas du tout. Meilleur des six. Les meilleurs des six. On a une œuvre depuis. C'est un Star Wars. Ah putain, j'ai pensé en plus. Ah, ouais. Non, j'avais pas du tout. Star Wars. J'avais pas du tout. Pour commencer. Le fait que la vieille désire léguer toute sa fortune à ses feignants de chat est complètement... Aristochat. Moi, je comprends tout à fait le majordome. Foutez-moi ça en l'air. Aristochat. Les Aristochats. Ouais. Parce que je t'appelle Charlotte. Bah oui. Par contre, moi, j'ai pas trop kiffé le Jenga. Hein. Bah alors, moi, justement, j'allais y venir. Et ouais, c'est un moment que j'ai préféré parce que j'ai poussé Charlotte. Enfin, c'est un petit côté sadique, j'avoue. En plus, elle, depuis, elle est hyper sympa, quoi. Et vous avez fait un jeu là, un truc un peu chelou. Oh la vache! Déjà, ils n'ont pas réussi ce jeu un peu chelou avec les lumières. Ah oui! Hein, on peut en parler de ça? Ah ouais, bah, on attendait comme des gogoles et après ils nous ont dit bah non, mais faut commencer. Alors, faut moi j'ai adoré parce que c'était trop bien. Moi j'avoue, on a un peu attendu comme. Comme des cons, on peut le dire. Hein, on peut le oui, dire on peut cons. Le dire comme des cons, c'est vrai. Intéressant. Ah, faut appuyer! Bah, il est appuyé! Bah, ouais! Ah, ouais, ok, d'accord! Merde! Tac, 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 tac! Moi, j'étais en train de me dire! Ah, bah, non, mais. Ah, non, mais incroyable, nous, attends! Non, regardez le cheminement, on s'est dit, c'est le deuxième round, bah, vas-y, quoi! Et puis c'est là qu'on a découvert le jeu de Jeff, Oui. Son nouveau jeu lors de cet événement. Il se fait un panaclock, donc ouais. un petit big up à Jeff qui a participé à Moodkids lors de la première saison. Cool. Et jeu très sympa d'ailleurs. Les personnes qui ont pu découvrir ce jeu avaient l'air ravies. Et Jeff a même fait une petite surprise d'ailleurs. Oui, il a fait une petite apparition en FaceTime avec, pour un de ses fans autour d'une table et c'était plutôt cool et on remercie encore. Autre chose à rajouter sur cette version Cannes 2023. Belle édition. Belle édition. Ouais, c'était cool. Voilà. Belle édition. Et puis voilà. Hey, franchement, voilà. Merci pour ce moment, Corentin. Et puis on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. L'année prochaine à Cannes et bientôt pour une prochaine émission. C'est bientôt. Coupé. Décalé.